Ça commence à se réchauffer, Karine. Eh oui, et ce soleil qui va booster notre mercure. Alors, il fera bon aujourd'hui d'être, par exemple, en Bretagne, dans le Morbihan. Regardez ce joli lever de soleil. C'est superbe. Nous sommes à Damgan, du soleil qui va s'imposer toute la journée, non seulement en Bretagne, mais sur bon nombre de régions pour aujourd'hui, dès ce matin, à l'exception de cette petite poche nuageuse dans le sud-ouest. Mais dans l'après-midi, le soleil va s'imposer et on aura quand même les traditionnels orages de fin de journée sur les reliefs. La curiosité, ce sont bien sûr ces températures. Grande amplitude ce matin entre 6 à Reims et 25 du côté, par exemple, de Montélimar. Montélimar qui reste la ville la plus chaude aujourd'hui, avec 36 degrés attendus pour cet après-midi, comme à Nîmes et à Marseille. Vous voyez que c'est dans le sud-est qu'il fera le plus chaud. Ailleurs, on respire un petit peu mieux avec des températures inférieures à 30 degrés. Rapidement, jeudi, cette chaleur intense va conserver cette fois-ci le sud-ouest, puisque l'on attend 40 degrés en Aquitaine. Vendredi, c'est au tour du centre-est et du nord de la France d'avoir des 40 degrés. On attend vendredi 39 à Paris, 41 à Lyon. Ça va être assez étouffant. Une petite image pour nous rafraîchir peut-être ? Eh bien, pour nous rafraîchir, on prend un peu d'altitude. Je vous emmène en Isère, à Montpénard, sur ces passerelles himalayennes. Ah, faut pas avoir le vertige là. 200 mètres de long, 80 mètres au-dessus de l'eau. Il faut éviter évidemment qu'il y ait beaucoup de vent et des orages. Oui, tant qu'à faire. Mais c'est très beau. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle image, Karine.